Et bonjour, scrappeur de France tout pays, comment ça va? Eh ben moi ça va, j'ai reçu un petit courrier aujourd'hui. Et puis ben, on va l'ouvrir ensemble déjà pour commencer. Et puis après, ben, je vous montrerai le reste. Donc on verra après ce que j'ai. Je me suis fait plaisir. Et puis voilà. On n'a qu'une vie sur Terre. Bon allez, j'ai. Attendez. Oui, Christiane, elle m'a envoyé un petit courrier. Et rien qu'au toucher, je sais ce que c'est. Vu l'oblitération, je sais ce que c'est. Alors là, elle a mis un timbre. Les Pyrénées-Atlantiques. Là, ici, là. Oui, mince, où je suis là? Là, là. Les Pyrénées-Atlantiques. Ça, c'est pas loin de chez moi. Et ça, c'est la galaxie. Je suis souvent dans la galaxie. Là. Bon, allez, mais je vais l'ouvrir. Elle a mis des petits tampons dans les angles, tout ça, voilà. Dans chaque angle. Ah, c'est mignon ces petits tampons. Et là, je sais ce qu'elle m'a envoyé. Et pourtant, elle ne me l'a pas dit. Mais au toucher, je pense que c'est ça. Oh, ah non, je ne pense pas du tout que c'est ça. Ça ne va pas sortir. Ah. Surprise, surprise, blanc sur blanc, on voit pas grand-chose. Et je savais que ta journée pétille de bonheur. Oh oui, elle a pétillé de bonheur. Regardez-moi ça si c'est mignon. Regardez-moi ça si c'est joli. Du muguet. Ah oui, mais le mien, il a fané. Ça y est, hein, celui que je vous ai montré virtuellement, que je vous ai envoyé virtuellement, il a fané. Mais je l'ai repiqué, je l'ai remis dans un pot. Ah, qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a mis de la mousse. Ah, je vois pourquoi elle a mis de la mousse. Ah, mince. Ah, ça, c'est les aléas de ces trucs fins. Ah, attends, je vais vous montrer. On va faire comme ça. Oui, bon, mais vous verrez pas de toute façon tout ce qu'elle a écrit. Ah, vous voyez, elle a mis ça. Là, elle a mis un papillon. Elle a mis une feuille avec des fleurs. Elle a refait un tamponnage à l'angle. Je n'ai pas ça. Ce truc. Oh, j'en ai peut-être. Si, j'en ai des trucs comme ça. Mais bon, j'y pensais jamais m'en servir. Par contre, dit comme ça, je sais pas où tu les trouves, hein, ceux-là. Là, ceux-là, là. Ceux-là, je sais pas où tu les trouves. Mais alors, ils sont fins, ils sont beaux. Oh, mon Dieu. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ah. Alors, voyons, qu'est-ce que tu m'écris? Oh ben la santé, ça va, hein. Bon, ben, il y a un trou dans la gencive, hein. Ça commence à cicatriser. Hier soir, j'ai commencé à manger dessus, je me suis même pas rendu. Mais bon, le souci, c'est que bon, comme elle n'a pas fait de poing dessus, ben, il y a un trou, et puis il faut aller vidanger le trou à chaque repas. Ah, t'as que 3 fois par semaine de ça? Ah. C'est sûr que si tu avais pu avoir un centre de rééducation, c'était intensif, c'était 2 heures par jour. Alors, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Ah, ben t'en as plus pour longtemps, là. T'as 5 jours à attendre. Ah, fait froid chez toi? Non, ici, il fait chaud. Alors écoute, je vais essayer de souffler assez fort pour t'envoyer un peu de chaleur. Voilà. Ah ben, nous aussi, tu sais, le 1er mai, il n'était pas très, très beau le matin. Il y avait une course de vélo l'après-midi. Bon, je ne suis pas allé, hein, moi, pour les voir pédaler. Hein, comme on dit, tu l'as voulu ton vélo, mais pédale. voilà. Oh ben merci, ben, bon goût, bon goût. Suffit d'associer les choses. C'est tout le monde a très bon goût. Ah, il t'a plu, j'espère. Eh bien, tant mieux. Mais merci beaucoup, Christiane. Ah, ça c'est gentil. Et puis c'est tout simple. J'en ai pas fait cette année de cartes de premier. Mais pourtant, j'ai un truc de découpe. Hein. Oh, c'est pas comme le tien. Le tien, il est plus joli, même, à la limite. Moi, le mien, il faut que je fasse la découpe. Il faut coloriser par-dessus. Enfin, oui, bon, il faut coloriser.
Ouais, parce que je vois. Oui, il faut... oui, t'as raison. Et il suffit que j'en fasse plusieurs et que je fasse des... que je colle par-dessus. Hein. Ça, c'est... T'as raison parce que je vois la tienne, c'est pour ça. Voilà. Je vous la remontre. Là, elle m'a mis un petit cœur, un autre petit cœur ici. Oh, mais elle est très jolie, elle est toute simple, mais alors efficace. Ah, merci beaucoup, Christiane. Merci, merci, merci. Ça, c'est gentil. Une petite feuille en tissu avec des petites fleurs en vellum. Punaise, je ne sais pas si c'est toi qui t'es amusé à les faire, mais. Boudiou! Ça, moi, si je les faisais, ça me ferait presque loucher. Et le papillon, il a les ailes qui se soulèvent. Vous voyez, regardez. Il a l'aile qui frétille. C'est pas comme les poissons, c'est la queue qui frétille. Lui, c'est il a l'aile qui frétille. Oh, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci à toi et à ton mari. Parce que je sais que tous les deux, vous me suivez. Voilà. J'espère qu'il ne te fait pas trop de misère, hein. Et qu'il s'occupe bien de toi, hein. Parce que sinon, je vais venir lui botter les... Lui botter le derrière, hein. Voilà. À mercredi. Je la remettrai tout à l'heure, parce que bon, là, je vais pas avoir de patience. Bon, alors, voyons. Maintenant... Passons aux choses sérieuses. Vous connaissez ça? Ça, vous connaissez? Oui. Ça fait ça, 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 ça fait ça. Et hop là, et puis, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Voilà. C'est-à-dire que ça fait tout ça. Oui. Bon, voilà. Bon, allez, on va commencer par le moins intéressant. Ah! Je vous ai bien eu. Ben, ça, je le sors. On va faire après. Ben, je me suis acheté ça. Ben ouais, je me suis acheté ça. Et il y a qu'est-ce qu'elle nous montre là? Une douchette de robinet. Ouais. Et moi, je vais pas faire une douchette de robinet. C'est quand je vois le prix du tuyau sur Amazon, et puis que j'ai vu ça ce matin, j'ai payé ça 5,99 €. Et là, je vais voir qu'elle a... Il m'en faut au moins 1 mètre. Je ne vais pas commander 6 mètres ou 6 ou là, hein. Et dans la dimension que j'ai besoin, de toute façon, c'est jamais que des poissons. Je vais voir, hein. Il y en a au moins 1 mètre. Ouais, ouais, c'est bon. Et je vous ferai voir un tuto ce que je fais. Je vais faire avec. Déjà, je vais tout démonter. Ça y est, on commence. Ouais, tout démonter. Bon, ça, je vais le garder, hein, on sait jamais, ça peut servir. Je vais tout démonter. Et puis, je vous ferai voir ce que je fais avec. Ça peut être un truc intéressant. Je vous l'ai dit, il n'y a pas que du scrap sur ma chaîne. Il y a même des trucs. Vous allez voir, vous allez voir. Alors que la guêpe, elle est pas si folle que ça, la guêpe. Voilà, hop, là. Bon, ben voilà. Hein. De toute façon, il me fallait un tuyau comme ça. Et là, je vais démonter. J'espère que je vais y arriver. Faut enlever ça. Aïe, ça fait mal. Ouais, de toute façon, il me faut des pinces. Ouais, je remets le joint. Dans ce sens ou dans l'autre? Ouais, c'est celui-là. Ouais, fais bon, je vous montrerai. Voilà. Je le démonterai parce que là, où je le ferai avec vous, vous verrez. Vous verrez. C'est surtout pour les personnes qui ont un balcon et qui n'ont pas de jardin ni quoi que ce soit, mais qui ont des fleurs. Donc, voilà. Ensuite, ben comme j'étais à Nantes, je regardais ce que je me suis trouvé. Moi, je les avais comme ça. J'en avais une petite collection. Oui, ça, c'est pour les drôles. Mais en fait, moi, ça ne fait rien. Hein, ça sert. Et puis, vous savez, c'est celui que j'aime bien, là, qui fait ce motif. Et ben, je l'ai trouvé pour 1,20 € en plus grand, à Nantes. Voilà. Vous voyez? C'est exactement le même motif. Et vous montrer la lame. Voilà, la lame. Déjà, je ne sais même pas si je vais arriver. Voilà. Vous voyez déjà, hein, lui il est là, là, et l'autre il fait ça. Et là, de la lame, regardez, la lame elle est un peu plus longue. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Quand je fais des trucs un peu de vintage, j'aime bien faire des. N'a pas besoin systématiquement toujours de choses. Et pour 1,20 €, hein, c'est classique hein, aussi. Hein. C'est. Ça s'appelle. C'est des. Reuser. Connais-tu pas? Jumbo. Jumbo.
Jumbo. Je connaissais Dumbo, mais pas Jumbo. Bon, voilà, mais voilà, vous voyez que l'un à côté de l'autre, hein, quand on les a. Ouais, de toute façon, mais c'est la même chose, c'est la même qualité. Il hein, faut pas rêver. Je vais vous montrer. Voilà. Et là, normalement, je devrais faire le plus grand. Voilà, là, j'ai fait jusqu'où. Voilà, et là, celui-là, je fais. Voilà, vous voyez, là j'ai été ici, là j'ai été ici, et là j'ai été ici. Ça vous fait un petit effet déchiré un peu. Bon, quoi que celui-là, c'est, je sais pas si c'est le, si c'est le. Non, non, c'est la même chose, sauf que celui-là est plus grand et celui-là est plus petit. Bon, là ça le fait un petit peu, un tout petit, mais oui, il est plus petit, ça va faire un petit peu plus petit. Qui brut. Voilà. Bon, et bien, pour 1,20€, voilà, 1,20€, j'ai trouvé ça. Bon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Oh, j'ai trouvé oh, des trucs qui peuvent être utiles. J'ai trouvé ça. Bon, non, je ne vais pas encore être mamie, hein, vous inquiétez pas. Mais ça peut donner des idées pour faire des. Pour faire des annonces de naissance ou comme ça. Alors il y avait les filles, il y avait le garçon, il y avait ou des roses comme ça ou des bleus comme ça, il y avait pas autre chose. Et ça coûtait, il y en a 5, ça coûtait 59 centimes. J'en ai pris un de chaque. Ça, c'est un truc qu'on peut. Ça peut donner une idée. Moi, vous savez, qui est pas très doué en cartes. Voilà, bon, Bon, je ne veux pas dire que je touche pas ma vie, hein, non, faut pas quand même non plus exagérer. Mais enfin, bon, c'est quelque chose qui peut être repris pour autre chose. Voilà. Et comme je dois faire un truc pour quelqu'un, ça me donne une idée. Voilà. Ça va me donner une idée. Donc là, vous avez ben, le devant et l'intérieur. Ah ben l'intérieur, il est comme ça. Voilà. Et là, ici, là, vous mettez une photo. Vous avez les petits coins là de chaque côté, c'est entaillé pour passer la petite photo si vous voulez. Et puis vous refermez. Ça fait que quand vous l'ouvrez, vous le fermez. Voilà, vous avez la photo et vous l'ouvrez. Vous avez ça. Et il est en rose et il est en bleu. Je vous le montre en rose puisque je vous l'ai montré en bleu. Voilà. Oh, c'est pas. Et je crois savoir chaud. J'ai dû fermer parce que vous voyez les gosses qui jouent là. Dehors, là, dans l'herbe, alors. Sinon, on ne s'entend plus. Ça, il s'ouvre où celui-là? Ah, celui-là, il s'ouvre en bas. L'autre, il s'ouvrait sur le côté. Celui-là, il s'ouvre en bas. Bon, il y en a 5 dedans, pour 59 centimes. Voilà. Et le rose. Excusez-moi, mais c'est chiant, c'est toujours rose pour les filles, bleu pour les garçons. Mais là, c'est un truc qu'on peut changer. Et là, il y a Sophie la girafe, il y a le petit nounours. Et là, sur celui-là, c'était un petit lapin. Voilà, je ne vous ai pas montré, petit lapin. Le petit nounours, il est là dans le sac, la cigogne, petit biberon. Là, vous avez le petit biberon. Là, vous avez Sophie la girafe, c'est normal, c'est une fille. Et puis à l'intérieur, c'est la même chose. Voilà. Voilà, avec un petit berceau, les centimètres, le poids, enfin bon. Et tout ça, prenez cette carte-là. Vous refaites cette carte-là. Et après, vous refaites quelque chose. Et là, j'ai eu une. Je viens d'avoir une. J'ai vu, j'ai fait un rêve. Non, je suis pas Martin Luther King. Non, 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 je rêve. Oui, je rêve toutes les nuits de toute façon. Alors, voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai acheté après? Ah, j'ai acheté, après j'ai acheté ça. Et ça, je vais me le recustomiser. Parce que je voulais me trouver, parce que j'avais vu sur les vidéos de certaines, vous avez des pots blancs là, et puis c'est tout dentelé sur le haut. J'étais à Action, je n'avais pas trouvé, j'étais à Noce, je n'avais pas vu. Bon, et bien j'ai dit tant pis. Alors j'ai trouvé ça pour 50 centimes, des cache-pots. 50 centimes. Eh bien, je vais faire des pots à crayon. Je vais faire des pots à crayon. Je vais le bomber parce qu'il a un effet, je ne sais pas si vous. Voilà, vous le voyez là. Il a un effet un peu pierre. Je vais me le bomber en blanc. Et puis ça fera l'affaire. Je vous montrerai quand ce sera fini. Ah oui, non, mais je suis déjà pédio. Non, mais moi, quand je suis parti, hein. Là, on m'arrête plus. Ça y est, là, il fait beau, le soleil est revenu. Voilà, donc je vais le mettre là. Ensuite, j'ai pensé à Judith. Quand je les ai vus, j'ai pensé à toi. Voilà, regarde ce que j'ai trouvé.
des petits cœurs en strass. Eh bien, pour 79 centimes, ben, écoutez, ça valait 2 euros à la base. Voilà, 2 euros. Moi, je les ai payés, ouais, à l'endroit, ce serait mieux. 79 centimes. Et c'est des petits cœurs en strass. Bon, là, je n'ai pas de règles. Alors là, tout est reparti à sa place. Je n'ai pas autre chose. J'ai pas un truc par là, des fois. Je me suis servi du mètre ce matin, mais je l'ai rangé. Bon, tant pis. Bon, ben, fais bon, tu vas faire à peu près ouais, 2 cm à peu près, comme ça. Et comme ça. Il n'y a pas de... Il y a 20 pièces dedans. Alors, il y en avait un dans un bac, et puis l'autre, je l'ai trouvé dans un autre. Bon, j'ai dit, bon, 20 pièces. Bon, ça s'utilise assez bien, ça. Là, pour les cartes de fête des mères, ou vous pouvez l'utiliser n'importe quelle occasion, mais faut arrêter. Hein. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Oh, j'en ai trouvé des choses. Mais c'était le seul et l'unique, je me suis trouvé ce tampon. C'est pas des tampons clear, hein. Et je les ai payés 2,99 €. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Il n'y avait même pas de papier. Il n'y avait pas de. Voilà. Donc, je vais vous les sortir parce qu'il y a l'étiquette devant. Ouais, mais j'aurais pu prendre du. Allez, c'est plastifié. Ah, c'est pas mal ça. C'est un plastique. Et c'est la marque. Amy. Aider. Sympathie Vintage Label. Oui, bon, fait. Ouais, je ne sais pas, ça m'a plu. Hugs to you, my friend. White Sympathy. Toute ma sympathie, je pense que ça doit être. Je ne sais rien. Hein. Sending Love. Eh bien, il suffit d'aller sur Internet et puis vous tapez traduction. Et puis vous allez dans Reverso. Et puis ça vous fait une traduction gratuite. Vous avez dit, vous choisissez la langue, la langue qu'il faut écrire, l'anglais par exemple, le trois quarts du temps c'est comme ça, et de l'autre côté le français. Et vous mettez le truc et faites un copier-coller et puis ça marche. You lost, country you blessing, you are in me, prière. Ouais, bon, alors vous ne foutez pas de moi, parce qu'il y en a qui ne parlent pas mieux que moi. Hein. Bon, de toute façon, je parle anglais comme une vache espagnole. Voilà. Ah voilà, il essaie, je sais pas si vous les voyez bien là. Et ils ont l'air quand même assez. Je sais pas si j'ai une idée comme ça, je pense pas. Donc il me faut. Je pense que ça doit marcher sur des plaques. Moi ce que j'aimerais me trouver, s'il y en a une qui sait. C'est les grandes plaques, vous savez, les plaques pour mettre que ce soit les clear ou cela, mais des grandes. J'en ai une, la plus grande, elle fait ça. Ah ben sinon, j'ai le machin, oui, ça c'est sûr, hein, comme tout le monde, je l'ai. Voilà. Et là, on peut faire des tribuités pour coloriser. Voilà. C'est des choses qu'on peut faire. Ouais, ben, je suis comme tout le monde, mais j'aime bien. Bon. Ça, je pense que c'est un truc que je vais me servir. Ça va aller dans la boîte vintage. Et je l'ai payé 2 euros. Ben, 2,99 €. Ouais, ben, j'ai dit, celui-là, il est pour moi. Il n'y en a qu'un. Et en plus de ça, on peut le mettre dans un classeur. Ah, c'est pas. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ah, tiens, ça me donne une idée. Oui, parce que bon. J'ai trié, tout trié, mais il faut que je m'organise mon rangement comme il faut de tampons et puis de decks de découpe. Parce que tout ça, j'avais trié, j'avais. Et vous avez eu des lots avec, alors ce que je n'utilisais pas. Mais bon, on verra, il y aura peut-être aussi d'autres. Donc, il y avait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah, j'ai trouvé du ruban comme ça. Pour 99 centimes. Me demandez pas combien il y en a de mètres, c'est pas marqué dessus. Donc c'est pas du port-salut. Voilà. Il était. Je le trouvais. C'est de l'organza, hein. Et je sais pas s'il y a pas une qui a fait un tuto. Attendez, je vais faire. Attendez, comment faire pour faire une. Voilà. Faire comme ça. Voilà. Et celui-là, c'était le seul. L'organza comme ça là, il est froissé, il est orangé un peu, il est jaune orangé,
Ça, celui-là, ça j'aime bien. Le jaune orangé, puis du jaune pâle. J'aime pas le jaune cocotte. Ça vous fera rien, mais bon. Il y a certains jaunes, je ne dis pas que je n'utilise pas, mais moi je l'utiliserai plus pour donner de la lumière ou comme ça. Mais ça, voilà. Et ça m'a coûté 99 centimes. Bon, je pense qu'il doit y en avoir une bonne dizaine de mètres. Pas plus, hein. Ça m'étonnerait. Là, ça m'étonnerait. Moi, j'ai trouvé celui-là. Après, j'allais trouver un autre. Organza. Pareil. 99 centimes. Là, il y en a combien de mètres? Il y en a 20 mètres. Oui, alors vous voyez, là, il y en a 20 mètres. Et là, alors, il y a peut-être à peu près la même chose, mais il faut penser qu'il est froissé. Hein. Voilà. Et il est marron. Et du marron, je n'avais pas comme ça. Et Danone, je ne les ai pas prises. Il y avait des roses qui étaient faites, comme ça, marron, avec de l'organza marron. Et des roses marron, donc je parle français, moi. Voilà, ça, c'est de l'organza marron. Ouais, je suis comme Elena, moi, j'aime bien les rubans. Mais bon, j'ai pas fait un ruban, j'ai pas fait de folie. Enfin. Un petit peu, ouais, bon, enfin, bref. Voilà. Bon, ben, 99 centimes, 20 mètres. Et puis, si je n'utilise pas tout, je pourrais me faire profiter. Voilà. Et si, il y a un truc que j'ai trouvé. Mais ça, j'ai contacté quelqu'un. Voilà, pour ça. C'est pour ça que je ne l'ouvre pas, je ne le défais pas. C'est du ruban. Entre le lilas, le vieux rose, c'est des gorgeous. Voilà, ça c'est des gorgeous. Mais bon, et il y en a combien dedans? 10 mètres. Ouais, vu le truc, oui, ils sont bien. Bon, ça vient pas jusque-là, ça vient à peu près jusque par là. Mais là, les 10 mètres, ils y sont. Voilà. Voilà. Ah, oh punaise, alors je t'ai trouvé un rouleau. Un rouleau de ruban, 79 centimes. Voilà, allez. Alors déjà, il était comme ça. Voilà, bon, c'était pas comme ça. C'était comme ça. Il n'y avait pas ça. Ça, je me le suis cherché, je l'ai trouvé. Alors comme là, il y en a. Et ça valait 30,50 € à la base. Et ben. Ah oui, il y a 25 yards. Alors 25 yards. 25 yards, 25, où est ma calculatrice? Je vais vous donner parce que 25 yards, c'est pas un mètre, c'est moins d'un mètre. C'est du chinois. Ah ben elle est là. Je me suis servi tout à l'heure. Donc c'est à peu près, je crois que c'est 95 cm. Donc on va faire 0,95 multiplié par, combien j'ai dit qu'il y avait? 25. Il y a 23,75 m. Voilà, je vais vous le défaire un peu aussi. Comme ça, vous pourrez le voir. C'était le seul, l'unique. Il était orphelin, celui-là. Il m'a dit, viens! Mais viens! Alors, bien sûr, hein, c'est que d'un côté. Hein. Voilà, il est imprimé que d'un côté. Mais, il bleut. Et oui, vous avez, oui, comme vous allez le voir, il est bleu. J'ai dit, ah, ça peut. Mais c'est pareil. Vu la quantité qu'il y a, bon, comme je vous ai dit, il y a 23,75 m. J'ai de quoi faire plaisir aussi si je veux. Si je veux. Si je veux pas, je peux pas. Non. Voilà. Et comme c'est. Comme je suis pas. Moi, je suis pour le partage quand je peux. Voilà. Voilà. Ah, en ruban, j'ai trouvé ça. Ah, j'en ai trouvé d'autres. Et j'en ai trouvé d'autres. Hein. Elle a encore pris les rubans. Ah, les rubans, eh ben, voilà. Alors, je vais vous montrer. 79 centimes. J'en ai pris en orange. Il y en avait comme ça en organza, noir, mais. À la limite, je l'aurais pris noir.
Celui-là, j'ai pensé, j'ai dit peut-être pour Halloween. 79 centimes. Et il y a. Il va falloir. Mais non, mais même à la fin de l'année, quand j'allais chez l'ophtalmo, 20 mètres. Là, il y en a 20 mètres. Je l'ai pris en orange. Je l'ai pris en rose. Pour pareil, 79 centimes. Et je l'ai pris en bleu. Voilà. En bleu. Et le. Alors, attendez. Le ruban, il est. Oh, tu vas pas me faire suer, toi, avec le scotch. De toute façon. Allez voir. Là, toi, tu vas te coucher, c'est pas toi qui présente, c'est moi. Va sur le fauteuil. Je t'ai pas appelé. Hein? Bon. Là, voilà. Je vais vous montrer comment il est. Il est un peu rigide, c'est un fait. Mais bon, ça peut. Voilà, quand on le voit là, il est un peu plus rosé. Je sais pas, voilà, comme ça vous verrez mieux, il est un peu plus rosé. Mais là, on le voit, il est un peu plus pâle, il est un peu transparent. Et il est rayé, voilà. Enfin, rayé, façon de parler, quoi. C'est le tissage qui est. Il est gaufré. Voilà. Alors là, vous voyez, vous avez vu, j'ai coupé mon scotch. Vous avez le carton. Voilà. Vous le passez entre les deux cartons. J'ai fait ça, regardez. Là, j'ai écarté un peu. J'écarte un peu. Je le passe. Et voilà. Et les filles, vous pouvez continuer à faire votre présentation et vous n'aurez pas besoin de réenrouler le rouleau après. Après. J'en ai trouvé d'autres rubans. Elle est casse-pompe, elle est sur les bornes. Elle est très du rose. 39 centimes. Voilà. C'est les trucs comme ça. Il y a dû y avoir un arrivage certainement de mariage ou comme ça, je ne sais rien. Parce que normalement, c'est décoration et réception. Ruban satin, 6 mm, 25 mètres. Et ça, normalement, c'était vendu 1 euro. Et là, c'était vendu 39 centimes. Alors, vous inquiétez pas, les filles de chez moi, il y en a encore. Hein. J'en ai pris deux. J'en ai pris deux. J'ai dit, ah, ça pourra peut-être. Qui sait? Nous ne savons point. Nous verrons bien. Bon, et puis j'en ai pris deux comme ça. Parce que de celui-là, je n'en ai pas. Du jaune pousse. Jaune layette, ben, je dirais. Jaune layette, j'en ai pas. Et il y en a. 25 mètres aussi, c'est du 6 mm. Et l'autre aussi, je pensais que c'était ici. Oh, je ne vous ai pas dit la largeur, moi. Oh, puis écoutez. De toute façon, quand vous voyez les dessins, voilà. Vous faites un demi-tour en arrière et puis vous regardez. Puis vous prenez le mètre et vous mesurez. Voilà. Ça, c'est du 6 mm. Celui-là, ça doit être du 2,5. Ça doit être du 1,5. 1,5. Celui-là, c'est du 2,5. Ben ça, c'est du 2,5. Ouais, ben ça, c'est du 2. Ouais. Ça, c'est du 2. Ça, c'est du 2,5. Et puis ça, c'est du demi. Voilà. Non, pas le demi, pas le rouge, hein. Voilà. J'en ai pris deux et donc on en a, donc, oui, je l'ai dit, 25 mètres, 25 mètres chaque. Bon, mais voilà pour les rubans. Là, et ben ça y est, là on a fini. On a fini pour ça. Voilà. On n'a pas encore fini. Hein. Hier, j'ai vu la vidéo d'Elena. Et Elena, elle a montré qu'elle avait vu trouver des petites fleurs, un tissu. Petites fleurs et petites roses. J'ai dit, il faut que j'aille voir. Il n'y a pas à tortiller pour aller droit. Faut que j'aille voir. Ah, j'y suis allée voir. Alors, j'ai trouvé. Attendez, j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé déjà les deux. Les deux bleu marine avec des petites perles. Ouais, des petites perles blanches. Ben oui, ben moi, le bleu marine est blanc. Il me sera quand même la graffeuse parce que tout à l'heure, je vais. Ah oui, non, mais il y a un peu de tout partout, mais enfin, bon, on s'y retrouve, hein. Oh punaise, il faut y faire le gaffe. Vous l'aurez que demain la vidéo.
Oui, mais non, celle-là, vous l'aurez dimanche, alors vous l'aurez aujourd'hui. Voilà. Les petits nœuds bleus. Celui-là, il n'est pas très. Oui. Il faut dire que tassé dans le truc, hein, c'est pas très. Mais là, je crois que j'en ai pris deux poches de celui-là. De ça. Parce que moi, j'aime bien le bleu marine. Je vous le dis, j'aime bien le bleu marine et blanc. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais comme ça me fera moins que, je me ferai moins qu'à les faire. Ils sont tout faits. Voilà, t'es. Voilà. Allez? C'est pas joli, ça? Oui, bien sûr, ils ont besoin d'être remis un peu en forme, mais bon, une fois. Et en fait, c'est pas compliqué à faire. Hein. Oui, bon, d'accord. C'est bête parce que quand je les vois, après, j'ai dit, t'es couillonne, hein, parce que, franchement, enfin, bon. C'est une idée à faire, un tuto. Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir, mais qui ont des rubans. Voilà. Et là, c'est les lots de 200 pièces. Je les ai payés 99 centimes. Voilà. 99 centimes. Et là, tu m'as. Mais ça y est, je me bouffe le mot. Alors, il y en a un autre comme ça. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est. C'est pas ça. Bon, il y en a un autre. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé un petit nœud? Un petit nœud, j'ai trouvé ça et ça. Attendez, je le cherche. Hein. Ouais, mais le bleu marine, je crois que. Alors, un petit nœud, j'ai trouvé. Eh bien, les gens un peu comme. Non, même pas. Même pas. Non, justement, ceux-là qu'elle a trouvé, là, les comme ça, je ne les ai pas vus, moi. Elle les a. Voilà, alors, je sais qu'elle les a, ceux-là. C'est pareil, 200 pièces, les petits nœuds comme ça. Et ceux-là, ce n'est pas les mêmes. Là, il y a une paire, non, il y a deux perles. Et là, c'est un petit peu comme. Non, c'est même pas. Elles ne sont même pas disposées pareil. Et je vais vous faire. Qu'est-ce que je prends, moi? Ouais, ça va? Tout le monde va bien? Ouais, bon. C'est un moment que vous chopiez à gerber. J'espère que vous avez le temps parce que. Là, je vais vous les montrer. Je vais les ouvrir et vous les montrer petit à petit. Ça, c'est petit. Ouais, ils sont un peu mieux. Bon, disons que les autres, ils sont un peu tassés. Et puis, je n'ai pas été chercher plus loin. Hein. Oui, j'ai enlevé mon machin, j'ai mis un pansement. Mais ça me fait caguer parce que ça ne tient pas. Voilà. Vous voyez? Là, les petites perles où elles sont de chaque côté. Voilà. Ça, c'est les jaunes. Les jaunes layettes. Moi, j'appelle ça du jaune layette. Il a un petit reflet. Un petit reflet vert. Voilà. Donc, j'ai sorti mon truc moi, pour refermer. Et puis, j'ai pas fait. Voilà. Voilà. Ça évitera que. Oh, ça va. Ça va quand même. Il faudra que je m'amuse à les compter. Parce que je. Quoique. Voilà. Et c'est pareil, 99 centimes. Là aussi, 99 centimes. Les 200 pièces. Ah, vous voyez, oui, bon, c'est bon. Allez, vous l'avez vu. Hein. Alors, ceux-là, ils sont beaucoup plus petits, ils sont plus fins. Ils sont plus fins, mais ça fait rien. On a quand même des encres, on a quand même des choses. On peut. La seule chose que je regrette, c'est que je n'ai pas trouvé le saumon comme Elena l'a trouvé. D'ailleurs, Elena, bon dia! Ah, vous vous demandez ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire bonjour en portugais. Voilà. Alors, vous voyez, celles-là, elles sont simples. Là. Ouais, elles sont un peu. Oui, ils les ont faites un peu là, un peu raides. Donc voilà. Ça c'est le jaune. Bon, c'est à peu près. Disons qu'ils sont plus petits, mais je pense que c'est à peu près le même. Mais elle a trouvé un peu des jaunes orangés là, qui étaient jolis. Et puis des saumons, punaise. Enfin, c'est comme ça. Bouh, on trouve pas. Hein. Voilà. Allez, je referme au fur et à mesure. Ça évitera de les trier après parce qu'ils se seront mélangés. Donc, ça, c'était les nœuds. Voilà, les nœuds. Bon, les nœuds. Il n'y en a plus de nœuds?
Je suis déjà assez neuneu comme ça. Bon, allez, on va attaquer par autre chose. Attaquer ça, attaquer ça, attaquer ça. Non, pas celui-là, c'est pas le même. Attaquer ça, attaquer ça. Va attaquer. Voilà, les mêmes de la même. Oui, attendez, ça vient. Hein. J'ai plus le main, elle ne va pas être assez grosse. Ah, mais t'es, je savais que j'en avais pris deux. C'est bleu marine. Bon, c'est la caisse que je me suis aperçue, hein, parce qu'avec elle, j'en aurais eu assez. Même pour si je veux faire du partage, j'en aurais eu assez. Un autre. Là. Elle avait trouvé aussi des nœuds des Bordeaux. Oh punaise, qu'est-ce qu'ils étaient beaux, les Bordeaux. Voilà, bon, on va commencer par ça. Voilà. Allez, on pousse les nœuds. Maintenant, là, on va passer. Ceux-là, je vous les ai montrés, c'est les jaunes. C'est un peu la même chose que ça. Et ça, c'est des roses. Des roses, pas. Non, oui, non, mais c'est la couleur jaune, mais c'est des roses jaunes. Voilà. Ah, mais attendez, tu vas aller voir. Comme ça, je pourrais vous les mettre. J'ai du polystyrène là. Je sais plus d'où ils viennent d'ailleurs. Celui-là. Voilà. Des petites roses comme ça. Il y en a une, là, il y a des jaunes. Qui a un petit. Alors, il y en a des comme ça. D'ailleurs, je vais vous les montrer toutes. Des couleurs. De couleurs différentes. Pareil, 99 centimes et tout, c'est les sachets. Il y a des moments où on se demande s'il y en a 200, mais bon, c'est possible. Hein, parce que... Et je vous dis pas de. Il faut vous sortir les étiquettes à chaque fois. Ouais. 200 pièces. Voilà, bon. Et. Alors, il y avait cette couleur. Ah, c'est petit, hein? C'est petit. Mais bon, j'en ai du ruban comme ça fin, mais je vais pas m'en kikiner à faire. Ah ouais, d'accord, je vois. Bon, c'est pas grave. Là, il y a un vert. Et ne me dites pas, ah, les roses vertes. Eh bien oui, les roses vertes, elles existent. Comme les roses noires, comme les roses violettes. Tout ça, ça existe. Ça existe, c'est vrai, ces roses-là. Voilà, là il y en a une verte. Et comme j'en avais eu des fois, mais sur des tiges, et elle n'en était pas. Alors attendez, le même modèle, je veux les trucs. Bon, celui-là, c'est pareil, 99 centimes, mais bon. Où c'est que j'ai vu qu'il était coupé? Il est là. Il est là. Il est là le bonheur. Voilà. Ça, ces deux-là, ce n'est pas les mêmes couleurs, hein. Et puis il y a des façons, elles sont placées différemment, et, enfin elles sont tournées, ça dépend comment on les tourne, déjà. C'est une bleue, c'est une bleue, ou je sais pas si je me suis pas fait, ah parce que j'en ai trouvé dans un bac, j'en ai trouvé dans un, non mais mais j'étais partie dans l'idée de trouver des trucs. D'ailleurs, de trouver les roses comme il est là, elle parlait. Donc, voilà. Ça, c'est les comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà, vous pouvez voir les couleurs. La dernière, elle fait peut-être noire, mais elle est bleu marine. Hein. On va faire comme ça. Voilà, elle est bleu marine. Et vous voyez que celle-là et celle-là, ce ne sont pas les mêmes couleurs. Et celle-là, elle est jaune, mais elle a un reflet vert, elle est jolie. Bon. Je vais vous montrer, mais après je vais vous montrer les autres parce qu'il y en a d'autres! Ah oui, non, mais moi je ne fais pas les choses à moitié. Hein. Parce que je peux vous dire que ça, quand vous en avez, sautez-y dessus. Hein. Mais avec une poche, vous en avez assez. Hein. Voilà. Là, c'est. Il y a des trucs, je ne comprends pas tout, mais enfin bon. C'est. Voilà. Voilà. Et la jaune, elle est là. Voilà. J'ai mis dedans ou j'ai mis dans le côté? Non, j'ai mis dedans. Je la retrouve par terre. Bon, ça va, là, ça se plie. Là, ça se plie. Là, ça se plie.
Oui, non, mais attendez. Il faut la guêper. Que ça tienne quand même. Ah oui, oui. Ah oui, mais c'est... Allez, il n'y a plus la graffe. Oh, boudiou. Manquez plus que ça. Mais oui, mais là, tout ce qu'il faut. Enfin. Ça dépend des fois. Ah ben oui, non, celle-là, c'est... Oh, il y a tellement de façons d'ouvrir les, de les ouvrir, c'est ça tes bidules, là. Ah ben, vous saurez comment on recharge une agrafe. Voilà. Non, on fait comme ça. Comme ça. Ça met une seconde, je sais pas. Ça va mettre tout. On va mettre un bout. Voilà. 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 On tire sur le bitonio. On fait passer le machin. On fait descendre les trucs. On le met là. Voilà, on peut en mettre plus. Voilà, bon, où c'est qu'il est? Il est là. Ah, mais t'es là, ça marche mieux. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Voilà. Bon, après, il y en a d'autres. Alors là, j'avais trouvé des lilas. Là aussi, c'est pareil. Je sais pas pourquoi j'en ai pris deux. Mais dans le rayon, non, mais c'est parce que dans le rayon, chez l'autre, dans l'autre nose à nous, il y a pas, y a des couleurs qui... Enfin, une, des couleurs. Une luminosité qui ne nous donne pas les, couleurs, les vraies couleurs. Et j'ai cru que je prenais deux... Alors, c'est un lilas. Voilà. Donc, je vais en ouvrir un. C'est un lilas. Elle est là. Alors là, il y a la rose. Avec le... Il n'y a pas rien mieux foutu que celle-là. Oh, ben, elles sont comme moi, elles ne sont pas très bien foutues. Hein. Ouais, bon, enfin, bon, bref. Il y a la rose qui est faite. Et puis, vous avez le petit ruban, là, qui... qui reflète, là. Qui reflète. Ah, c'est celui-là qui reflète. Ouais, le soleil est en train de tourner. Bon, je vais baisser un peu le volet parce que c'est moi qui vais me le prendre à la tronche. Voilà. Ben oui, hein. Je veux bien dire, je vais baisser le volet, mais il n'y a que le chien qui peut aller le baisser le volet. Et le chien, il ne sait pas baisser le volet. Voilà. Et là, c'est un vieux rose. Celui-là, c'est un lilas, ça, c'est un vieux rose. Vous allez voir. Alors, pareil avec les deux, un vieux rose. Moi, j'ai pas trouvé des blanches. Par contre, ça, elles sont presque blanches. Mais c'est un vieux rose. Ça. Ouais, enfin, ouais, ouais. Et là, j'en ai trouvé des comme ça aussi. Voilà. Oui, parce qu'après, c'est des autres modèles. Ah oui, bah c'est pas fini, mais qu'est-ce que vous croyez? Ah, j'ai pas pris 50 poches, il y a que, il y en a que deux là où je me suis fait avoir et voilà. Ça c'est le lilas, là, ici, ça c'est le lilas. On va les faire comme ça, on va les séparer, voilà. On va rapprocher là, voilà, comme ça je vous le mets là, je tremblote un peu. Là il y a le lilas, il y a le... cher un peu, mais c'est des rubans satinés, et celui-là il y a le rose pâle, voilà, ça c'est, voilà cela, et toujours pareil pour 99 centimes les 200 pièces, pardon, les bêtises, voilà, 200 pièces, oui je crois, oui, bon, de toute façon on a leurs étiquettes à la, et ça coûtait, alors cela, elle coûtait à la base, ici là, 12,30 €. Les vieux roses, elles étaient plus chères. 14,76 €. Les violettes. Ah, pas mal. Ça y est pas. Bon, voilà. Voilà. Une petite agrafe. Et je sais, je vous fais cagner avec mes agrafes, mais bon. C'est pas grave, hein, ça passe. Hein. Bon. On va attaquer les autres maintenant. Ça commence à faire, hein.
Ah, mais quand je fais pas. Mais c'est vrai qu'il va falloir que je me trouve. Bon, j'ai. Oui, c'est vrai. J'ai la rose comme à offert, Judith. Mais. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais y mettre dedans. C'est. Voilà. Ça, c'est sûr que je vais me servir. Hein. Ah, si! Il y en avait encore. Il y en avait. Attendez, il y en avait. Attendez! Il y en avait encore. Partez pas, il y en avait encore de cela. Oh punaise, mais quelle andouille. Et pourtant je me les étais triés. Hein. Je me les étais triés. Bon, enfin bref. Moi j'ai trouvé les roses de Bordeaux. Pareil, toujours 99 centimes. Et j'ai trouvé des roses, mais du vieux rose. Donc ça, je pense que c'est le rose. Et ça, c'est le vieux rose. Le rose vintage. Je voulais faire voir. D'ailleurs, on verra la différence. C'est là que je vais voir la différence. C'est ça qui m'a un petit peu trompé pour le lilas. Pour ce bon rhum, on s'en fiche. Ça, c'est la Bordeaux. C'est pareil, il y a le Bordeaux sur du vintage. D'ailleurs, ce jeu. Voilà, et bien, je vais vous remettre à la petite rose comme ça, la petite rose pâle. Quand elle en a parlé, Elena, qu'elle n'avait pas trouvé des roses, j'ai dit, il faut que j'aille à Noz. Demain matin, il faut que j'aille voir ça. Voilà, vous voyez les couleurs. Ce rose-là, il fait presque blanc. Voilà, vous avez deux, et vous avez le vieux rose, vintage. Voilà, c'est pas fini. Il y en a encore. C'est pour ça que j'essaye de me dépêcher, je ne m'attarde pas dessus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Où j'ai mis un Bordeaux? J'en ai perdu une! Mais c'est pas grave, je la retrouverai. Oh, mais j'ai peut-être mis deux dedans déjà. Hein. Oh! Vous savez. Non, parce qu'il y en a encore. Hein. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est comme chez Léonore. Mais excusez-moi, mais 99 centimes, voilà, j'ai pas fait. Ça fait, je sais pas combien de temps que j'étais pas allée à Noz. Et moi, je les ai trouvés comme ça. Je les ai pas trouvés comme elle les a trouvés, en violet. Je les ai trouvés en verte. Et ben moi, je les ai prises. Voilà. Et là, elles sont plus grosses. Voilà, ouais, juste comme ça. Histoire d'en sortir une. Voilà. Et voilà, vous voyez, les plus grosses, elles sont jaunes, mais elles sont jolies. Moi, j'aime bien. Et vous savez, ça va être la saison des. Comme je vous dis, il y a des baptêmes, on attend toujours qu'il fasse beau pour faire les baptêmes. Il va y avoir les communions, il y a les mariages, et tout ça peut servir. Alors, est-ce que vous allez aller.